Malia, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Bien. Donc tu es la fille de la créatrice de la marque qui s'Alia. Oui, et c'est la contraction de nos trois prénoms, donc de ma mère, de ma sœur et de moi-même. Donc ta maman, c'est la créatrice. Ouais. Elle fabrique tout elle-même dans son atelier à La Rochelle. Ouais, c'est fait main, c'est super, enfin dans son atelier, ouais. Alors tu vas nous montrer la gamme hein, de cette année pour la saison 2020. Donc le cori revient à la mode. Ouais, c'est la majeure partie des bijoux de ma mère, c'est le cori, ça marche très bien pour les ados, pour les adultes. Pour les hommes, pour les femmes. Ouais, exactement, ouais. Unisex. Exactement. Qu'est-ce qui te plaît toi? Ton coup de cœur c'est quoi? Ben moi j'aime aussi les coris mais aussi les pierres. Montre-nous. Ouais, alors, j'aime bien ceux-là parce que ils sont en argent, je trouve ça fait un peu jeune en même temps, enfin j'aime bien. J'aime bien avec le marron, j'aime bien que ça fait un joli contraste. Ceux-là aussi, ceux-là ils marchent très très bien. J'adore le macramé, ça c'est du macramé, c'est fait par ma mère et voilà. Aussi pour les coris, bon là ils sont un peu gros les coris, c'est fait pour les adultes, mais après ma mère elle les fait sur mesure pour moi. Donc des tailles plus moyennes. Ouais, parce que là c'est plus pour les adultes. Parce qu'après on a une création... ici pour les ados, plus pour les ados, donc les coris ils sont plus petits. Comme oui, vu que les poignets sont plus petits, il faut que le cori soit plus petit. Ouais, voilà, j'ai presque. Alors, montre-nous ce que tu portes. Ben, j'ai cela, vous voyez, c'est presque. Tiens, il est gold. Hein, ouais, il est gold, ouais. ouais, ça c'est plus mat. Et ça, c'est des perles. Et ça, c'est de la pierre. Donc, c'est à peu près différent, mais c'est presque les mêmes. Et j'ai aussi des pierres, vous voyez, j'ai des pierres. C'est quoi, c'est style lapis lazuli? Ouais, ça, c'est du lapis lazuli, ça, c'est du corail. Et avec de l'argent. J'aime bien. C'était ceux-là, voilà. Ceux-là, c'est à peu près pareil, vous voyez. Ouais. Donc j'aime beaucoup ceux-là. Et les copines de ton âge, elles portent également ce genre de bracelet? Ouais, la majeure partie, ouais. Y a... C'est tendance. Ouais, c'est tendance. Ça vous plaît ces produits entre filles comme ça? Ouais, je pourrais dire ça, ouais. Ouais, ça nous plaît. On aime bien aller faire les boutiques, choisir des bijoux et tout. Ouais, un peu fashion quoi. Hein. Voilà. après, sinon, si je sais aussi lequel j'adore, c'est celui-là. Ça, c'est le dernier que ma mère a fait. Je pense qu'il va vachement marcher parce c'est que. C'est de l'argent. Ouais, ça, c'est de l'argent, du macramé. Donc, pareil, un peu plus gros le macramé, mais vu que le coquillage est plus petit. Donc, c'est pour femmes. Voilà, c'est pour femmes. Après, vous voyez, je peux très bien le mettre. C'est pas trop gros, vous voyez. Donc il y a un lien pour le serrer, hein. Ouais, voilà, ici... non, pas celui-là. Attendez, je vais vous en trouver un autre. Par exemple, celui-là, voilà. Alors, certains, on les garde tout le temps, on dort avec, on se lave avec, et d'autres, certains, on peut les retirer. Ouais, alors, vous voyez, celui-là, vu qu'il n'y a pas trop d'argent, l'argent, ça va dans l'eau, de toute façon. Oui. Celui-là, on peut aller dans l'eau, on peut se doucher avec, on peut dormir. Moi, je ne les enlève pas. Le savon et tout, pas de problème. Pas de problème, vraiment pas de problème. Donc on a un système de macramé aussi. Vous voyez, attendez, hop, qui se ferme comme ça, en fonction des poignets, et qui se... selon la taille de notre poignet. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, ça peut aller dans l'eau, ça peut aller partout, vraiment. Moi, je ne les enlève pas. Tu dors avec? Ouais, je dors avec. Mais tu changes régulièrement quand même. Dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, tu prends le dernier modèle. Ouais, souvent. Hein. Mais ceux-là, ils sont quand même, je les ai toujours avec moi, ceux-là. Tout le temps? Ouais, tout le temps, je les ai jamais enlevés. Et ceux-là, je fais des différents des fois. Tu fais du sport avec? Ouais. Je vais surfer avec. Je crois que tu surfes, hein, du côté de Biarritz. Hein. On t'a vu là-bas sur une planche. Hein. Et oui. T'as toujours tes bracelets? Ouais, je ne les enlève pas, non. Non, je n'arrive pas. Par contre, les boucles d'oreilles, vous voyez, là, voilà. C'est... On dirait des petites plumes. Ouais, hein. Là, il y a une plume derrière. Ouais. Alors, c'est en quoi? Ça, c'est en argent. Ouais. Et donc, on a une plume, c'est une vraie plume, qui est montée sur de l'argent aussi. J'ai mes cheveux, mais... Oui, on la voit. Ouais. Voilà, et ça, par contre, ça, les boucles d'oreilles, je les enlève pour dormir oui, et pour... Oui. On ne sait jamais, ça pourrait blesser ou carrément, la boucle d'oreille, c'est détérioré. Ouais. Dis donc, t'es très fashion, hein? Une fashion victime, hein? Un petit peu. Oui. À 15 ans, t'es déjà une bonne fashion victime? Oui. Mais c'est bien. T'aimes ça, faire du shopping? Ouais, ça va. Ouais. Pas tout le temps, mais ça va, oui. Quand t'as le budget? Oui. Quand t'as le budget. Et quand tu vois ta maman travailler à l'atelier, t'as envie de l'aider ou... Ouais, généralement, je l'aide. J'aime bien l'aider.
parce que j'aime bien monter des choses. Des fois, bon, je ne fais pas des trucs aussi durs qu'elle fait, mais j'ai déjà appris à faire du macramé. Bon, là, je ne m'en souviens plus, mais je sais faire du macramé des fois, ouais. Ouais. Écoute, on te remercie. Et merci pour ta participation à Bijorka 2020. Merci à vous. Bon. Ouais. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir.